Que Jack soit marié ou pas, il sera à moi. Vous ne le croyez pas? Attendez, vous allez voir. Tu m'as entendu crier? Qu'est-ce que tu deviens même? Toi aussi, viens. C'est pour toi qu'on a arrêté le taxi, là. Oh. Attends, mais attends. Tu ne veux pas que je la voie? Mais pourquoi tu es pressée? Tu as le temps de la connaître. Tu es pressée pour... Quand? On va aller te saluer chez toi. Aujourd'hui? Je vais t'appeler. Ou bon, toi aussi, viens l'accompagner. Ah. Oui, attends. Toi, tu t'en vas là. Et mes 20%. Quel 20%? Hey, on s'est entendu sur 20%. C'est pourquoi tu as passé la nuit ici, non? Je ne lui ai rien demandé comme agent. Mais pourquoi tu ne lui as rien demandé? Ah, tu crois que tu vas faire carrière avec lui, quoi? Ton oncle, là, je le veux. Tu as compris? Je suis célibataire. Célibataire. Ah, ma chère, tu vas attacher ta ceinture hein, parce que ça ne sera pas facile. Et pourquoi? Hé, hey, tu n'as pas la sûre. Ah bon? Ah, le match sera très dur. C'est pourquoi tu dois me donner mes 20%. Comme ça, je vais te soutenir pour la voûter en finale. Oui. Oupo. Hein? Tes 20% ou pas, tu es obligé de rester à mes côtés pour que je gagne ce combat. Tu as compris? Je suis obligé comment? Regarde. Regarde. Donne mes 20%. Parce que là, j'ai monté à 25%. Le contrat devient difficile. Donc, on passe à 25%. 20, 25. On verra. Non, c'est pas on verra, c'est tout vu. Hein. C'est tout vu. Oui. Je dis on verra. On peut partir? Oui, allons. Ah, enfin, elle arrive. Oh, comment tu vas? Mais je ne savais pas que tu allais arriver aussitôt. Mamie, tu as tellement insisté hier nuit que je me suis dit qu'il fallait que je sorte tôt. Afin d'éviter les embouteillages, j'arrivais ici et continuer au travail. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'il te plaît, tu vas me rendre un grand service. Et de quoi s'agit-il? Ça, c'est quel poisson, ça. J'espère que cette dévergondée-là ne m'a pas vue. De qui parles-tu? Je parle de la jeune dame-là. C'est l'une des amies de ma belle-fille. C'est elle qui lui donne de mauvais conseils. Et à cause d'elle, elle n'a plus de respect pour son mari, même moi, sa belle-mère. Savoir ce qui se passe ici avec mamie. C'est mamie, c'est venu, c'est dit pourquoi moi c'est couché ici. C'est dit ce n'est pas couché ici. Tout ce qui est venu là, c'est commencé fait par là. Tiens. Tu ne trouves pas que pour une fois mamie a raison? Imagine qu'un visiteur arrive et que toi tu es couché là avec ton fusil. Est-ce que ça présente bien? Mais alors pourquoi tu fais ça? Pardon, pardon madame. Cette vieille femme là, elle est trop bizarre. Il va falloir que je me présente à elle pour qu'elle sache que. Moi, Titine, la femme la plus convoitée du quartier, je l'ai bien vue. Mais attends. Mais qu'est-ce que fait mamie fait avec ce monsieur? C'est son parent, ouah! Elle a passé la nuit avec lui. Si c'est son parent, mamie est sauvée. Mais si c'est son amant, mamie est foutue avec moi. Parce que je vais la préparer sans sel, sans piment. Et le plat sera tellement bon, quand les gens vont manger, ils vont apprécier. Comme ça, mamie va savoir combien de fois ça fait mal d'avoir un mari infidèle comme son fils Boiri Djandjou là. Toi-même, tu sais qu'elle ne veut pas nous voir ici. Pourquoi tu veux lui donner raison? Tu veux qu'elle nous chasse ici? Ne recommence plus. Ah, ça ne recommence plus. Bon, je vais remettre les médicaments à la voisine. J'arrive. Ok. Apparemment, elle arrive ici. Si elle arrive là, qu'elle te pose des questions, s'il te plaît, tu ne lui réponds pas. Titine, où est-ce que tu vas? S'il te plaît, attends-moi, j'arrive. Je viens tout de suite. Tu n'as pas pour longtemps? Non, je n'en ai pas pour longtemps. S'il te plaît, j'arrive. Ok, je t'attends alors. Thank you.
faudrait que tu saches. Mettre l'eau au feu pour Joseph. Le temps d'aller au marigot. Je reviens. C'est chaud. Je vais pouvoir aller à l'école. Quoi? Ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas de tes nouvelles. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de mon cousin. Si c'est le cas, ce n'est pas un problème. Tout ce que je te demande, c'est de convaincre pour qu'il accepte de vendre la forêt pour que je puisse envoyer les acheteurs. Tu ne sais que là même quoi. Hein? Il pense que c'est facile de convaincre son cousin. Si c'était le cas, il ne fallait pas m'envoyer ici. Hé, hey, après que je supprime ce message, on voit que c'est elle le voit, hein. Sinon, le projet, je vais tomber à l'eau. C'est quel poisson encore matin, là? Ozoa, bonjour. Annie, mais où est-ce qu'elle est passée là? Annie! Ozoa? 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 Où est Annie? Quoi? Je ne suis pas sa gardienne. Hein? Ah, moi, Yuka. Annie! Annie! Qu'est-ce que tu fais ici derrière la case? Tu es censé balayer la cour, non? Je sais. Je vais le faire, il y a un problème. Bon, écoute, je vais passer la commande pour les vins de palme. Vins de palme là pour qui? Pour les invités de ma soeur. Mais on s'en fout de ça. Bon, écoute, on se calme. Je vais passer la commande pour ne pas que les femmes la prennent tout. Mais après toi, hein, à mon retour, t'as ma coupé au champ. T'as compris ce qu'elle dit? Donne-moi quelque chose comme ça. Moi, et Kate, je ne suis pas au champ. Annick. C'est pas toi. Annick. Oui. Il y a un problème. Non, ça devient compliqué pour moi. Ça commence à être compliqué. Pour votre information, en Côte d'Ivoire, bon, par respect, on peut appeler sa femme maman. Alors, c'est, ça fait rien, on peut appeler sa femme maman. Attends, même au Bénin, on fait ça. Même au Bénin, oui. On trouve ça. Même au Bénin, on trouve ça. Oulala, 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 qui m'appelle? Oh, c'est qui? Ce macro là, toi tu penses que je vais te décrocher? En tout cas, tu vas attendre longtemps. Tu as tiré à terre. Aïe, déjà, ça commence très mal pour moi. Yedou. Ah oui. Non. Moi, je t'appelle, tu coupes quoi? Non, mais. Non, attends. Faut couper, mais j'espère que tu es déjà à Boaké, hein. Parce que moi, je suis aussi à Boaké. Amélie, il faut que toi et moi, on mette tout au clair. Faut couper, mais. Peut-être que tu as retrouvé ma voix après. Il faut qu'on mette tout au clair concernant ton farfelu de Hadji, là. Oui. Non, mais attends. Ce petit-là, il se prend pour qui? Moi, Niago, moi, j'ai défriché mon champ, planté ma chose, arrosé ça. Ça a poussé, c'est mûr bien. Toi, tu vas quitter le bas comme ça, gaillardement, pour prendre. Petit,
Faut lui dire, hein. Faut couper, mais faut lui dire. Ce qu'il cherche là, il va trouver. Quand même. C'est pas son champ, c'est pour moi. Ça là. C'est pareil, il n'est pas encore clôturé. Il pense que ça aille comme ça. Aïe. Bon. C'est quoi? On dirait que tu as mal dormi. Ben, j'ai bien dormi comment? Aïe. Ah non, 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 j'ai bien dormi comment? Attends, il y avait des moustiques là-bas. C'est toi-même le moustique là. C'est toi. Attends, quand on venait ici à Boaké, on s'est dit quoi? On s'est dit quoi? Que dès que tu retrouves Aline là, tu vas lui demander où Clémentine habite. Oui. Et puis après, tu m'appelles pour me dire. Oui. Tu m'as appelé? Non, tu m'as appelé. Et maintenant encore, tu as dit, oh, maître, attends, il parle. Oh. Maintenant, tu arrives encore, tu dis rien de bon. C'est comme si on était venu se promener à Boaké. On est venu pour rien ici. Oui, non, non. Go. Touche du bois. On n'est pas venu pour rien. De toute la façon, bon, tu vois, arrivé là-bas, elle m'a indiqué, bon, vaguement, elle m'a indiqué vaguement. Mais comme moi, je me fais confiance, je connais bien la ville de Boaké. Donc le fait qu'elle fait comme moi, déjà, je sais où elle se trouve. Moi, non, à tous les coups, on va les retrouver. Je maîtrise Boaké. Tu maîtrises Boaké? Oui, j'ai fait mon enfance ici. Le camp pénal, là, c'est où? Le camp pénal, non? Le camp pénal, je dis, monsieur Gou, ça est vers là-bas, ça est vers là. Ne perdons plus de temps, allons-y. De côté, prends le volant, on va partir. Maître, voilà. Montez. Maître, pas prendre ton dossier, pardon, on va oublier. Allons-y. Est-ce que, permis là-haut, je ne sais pas où j'ai mis, hein? S'il vous plaît, allons-y. Maître, mets mon sac là-bas. C'est bon. Yeah. C'est qu'une empreinte. Hein. Au moins, tu penses qu'à moi. Une empreinte. Ou pas? Dis-moi, comment je vais l'expliquer à la maison alors? On voit comme tu peux faire. Comme d'habitude. Tu vois? D'accord. Bref. Moi, j'ai une nouvelle. Une nouvelle? J'espère qu'elle est bonne. Très bonne. Je suis allée voir hier le gynécologue. Et je te dirai quand tu me donneras ce que je t'ai demandé. Arrête ces chantages, chérie, toi aussi. Tu le prends comme tu veux. Tu me fais chanter maintenant? Non. J'ai toujours été gentil avec toi. Future mère, le bon héritier. Dieu t'a entendu. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Je suis enceinte. Mon Dieu. Merci, mon Dieu. Écoute, les 3 millions que tu m'as donné, considère que c'est déjà acquis. Ah oui, je m'en fous de rien. Totalement fou. Et dorénavant, je vais m'occuper de toi. Spécialement. D'accord. Tu l'as promis. Tu as intérêt, c'est ton enfant. Oui. Voilà. Oui. Enfin, on va m'appeler. Michel? Oui. Ah, Mika, tu as bien dormi? Comment je peux bien dormir? Comment ça? Hier nuit, il y a eu tellement de bruit au salon. Dis-moi, tu es ressorti? Hier, la nuit? Oui, mais c'est après le resto. Je suis allé voir des amis. C'est pas la voix de sa sœur. Quand même. Je suis allé. Oui. C'est vrai qu'il se faisait comme tard. Ouais. Ah ouais. Si. Jack. Oh.
Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est Mika? Oui. Moi, c'est Bernadette. Mais enchantée. Je vous laisse. Jack, j'ai oublié mon trousseau de clés dans ta chambre. S'il te plaît. C'est quoi? Tu fais quoi ici? J'ai oublié mon trousseau de clés dans ta chambre. Pardon, là. C'est des prétextes. Je t'ai dit de tout faire pour que ma petite soeur ne te voit pas. Tu cours pour entrer. Et t'as vu, tu as pris quoi maintenant? Est-ce que je peux aller chercher mon trousseau de clés? Tu vas prendre ton trousseau de clés, toi, tu me demandes l'autorisation. Tu es entré ici avec quelle autorisation? Mais tout ça, là, même là, ça va finir. C'est quoi cette histoire? Vous prenez la tête. On s'entend, vous faites comme si vous ne comprenez pas le langage qu'on parle. Tout est fait exprès. Ah, c'était juste pour voir ta sœur et qu'elle sache à qui elle a affaire. Parce que moi, c'est la Bernadette. Ok. Oh, elle fait quoi là-bas même? Mabedi, excuse-moi. Hein. Bernadette, le taxi est là, hein? Ah. Bonjour, mamie. Dis donc, tu as du culot, toi? Tu me salues pourquoi? C'est pas là. Oui, Titi, c'est pas là. Tu as fini de donner les hommes à ma belle-fille et puis tu veux me parler. Hein? Attends. Depuis quand toi et moi, on est amis pour que tu viennes me saluer? Ça va pas chez toi? Ou bien c'est parce que Clémentine et Amélie sont à Boaké que tu cherches amitié? Je te dis non. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que camaraderie improvisée comme ça, là, je ne suis pas dedans. Tu m'entends? C'est Delta qui n'a rien à faire. C'est elle qui vous suit comme un mouton, là. Moi, je ne suis pas comme ça. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de passer ton chemin. Wow, 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 wow. Mamie, wow, wow. Tonton, on ne peut pas y amitié avec qu'est-ce toi. Qu'est-ce qu'elle raconte, Titine, là-bas, en faisant des grands gestes? Maintenant que tu as fini ton... Ça devient inquiétant, hein? Je veux savoir qui est ce beau monsieur. Il faut que j'appelle son fils. Bonjour, Tchédjo. Hey. Tchédjo. Tchédjo. Moi, c'est Tchédjo. C'est gardien ici. Même Mousse avec Moustique, s'il veut l'entrée ici, n'a pas demandé ma audience, c'est rentré jamais. Qu'est-ce que tu racontes là? Pour me dire que tu ne dormais pas, quoi? Non, je ne dormais pas. Comment ça, tu ne dormais pas? Tu t'es même en train de ronfler? Moi? Oui, toi. Et en plus, tu avais les pieds dans la chaise. Oh, pardon, pardon. Madame t'a pourtant bien dit de ne plus le faire. Pardon, pardon. Mais tu continues. Pardon, s'il te plaît, c'est fini. Pardon, pardon. D'accord. Allez, mets ça de côté. Ah. Puis tu ranges ça tout à l'heure. Je vais prendre le pain, je reviens. Ah. Déplace la chaise. Merci. Mm-hmm. Sommeil là, c'est pas laissez-moi encore. J'ai pris mes enfants parce que tu allais te marier. Donc je ne vois pas l'intérêt de laisser mes enfants dans tes mains. Les enfants n'iront plus me voir. Oui. C'est ce que tu veux dire? Oui. Mais pourquoi? Tu as osé me gifler? Oui. Andy, tu m'as giflé? Oui. Tu as osé me gifler? Je l'ai fait, Adjé. Je l'ai fait. Et tes enfants venaient. Est-ce que tu as demandé la permission à mon mari et moi? C'est pour ça que tu m'as giflé? Oui, je l'ai fait. C'est pour ça que tu m'as giflé? Je n'ai pas besoin de demander la permission à ton zozo de mari avant de prendre mes enfants. Tu as le plein droit de lui demander la permission. Mais non, jamais. Mais c'est pourquoi tu ne me pas te mets? Oui. Hein? Mais tu es fou, toi. Hein? De toute façon, chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. C'est qui celui-là? Ça ne va pas chez toi? Toi, ça te va? De quel droit oses-tu toi, ça te va? Mets à mon épouse. De quel droit tu rentres chez moi? Qui t'a permis de rentrer? Si tu n'as pas pu la rendre heureuse et qu'elle m'ait choisi, ce n'est pas pour autant que tu vas l'agresser.
Qu'est-ce que cela veut dire? Je comprends maintenant pourquoi t'as quitté là. Attends. Espèce de minable. Elle t'a dit que c'est elle qui m'a quitté? Oui. Elle t'a dit que c'est elle qui m'a quitté? Ça se comprend parce que vous êtes pareil. Minable, je dis. Ça prouve que c'est pas qui est le vrai minable. Très mal. Allons-y. Espèce de brute. Regardez-les. Bande de déconscients que vous êtes. Oh là là. Adieu. Les conscients dans l'affaire, c'est bien toi. Laisse-moi répondre à celui-là. Quand on cherche les conscients dans cette affaire, c'est bien toi. Conscient. Oui. Et figure-toi que je sais tout ce que tu caches à l'ombre. Je cache quoi? Tu sais ce que tu caches? Je cache quoi? Monsieur, ça c'est qu'il cache. Adieu. Je te connais. Tu passes tout ton temps à cacher les femmes des gens. Je te comprends parce que tu es jalouse. Je suis pas jalouse. Mais je ne tomberai pas dans ton piège. Mais je vais te dire, au lieu de passer ton temps à cacher les femmes des gens, il faut plutôt caser ta fille. Qui se pavane dans toi, Bigan. Qui se promène. Laisse dans toi, ma fille Bigan. Amélie là où elle se trouve. T'as compris? Laisse ma fille Amélie là où elle se trouve. Ne la laisse pas. Parce que si elle se pavane comme tu le dis, c'est toi. C'est toi qui as provoqué cela. Oh, c'est de ta faute. Oh, Aguet. Aguet, tu ne sais pas que c'est... Laisse-moi lui répondre. Tu ne sais pas que c'est de ta faute, je vais te le dire aujourd'hui. C'est de ta faute, Aguet. C'est de ta faute parce que tu es bête. Ah bon? Oui. C'est parce que moi... Laisse-moi lui répondre. Tu es bête, Aguet. Allez, vas-y, tu es bête. C'est pourquoi tu as laissé, tu m'as laissé chasser ta propre fille de ta maison. Tu es bête, Aguet. Tu es bête. Homme infidèle. Homme inconscient. Tu es bête. Infidèle, Aguet. Vous êtes vraiment des bêtas. Oui. N'importe quoi. C'est qui est sûr? Tu t'es pas bien giflé. La prochaine fois, tu viendras la ramasser. Je dis. Dans un fauteuil roulant. C'est qui est sûr? Je lui suffis largement. Oui, mais vous suffisez. Elle a besoin de toi. Vous ressemblez. Allons-y, chérie. N'importe quoi. Regardez comment ils se suivent. La prochaine fois qu'ils iront chez nous, ils ne viendront plus jamais ici. Plus jamais. Attends, tu veux avoir maintenant la procuration de la garde de mes enfants? Parce que ce sont moi aussi mes enfants. Il faut en faire avec elle. On va là-bas. Il faut en faire avec elle. Tu es vraiment malheureux. Vous n'avez rien vu encore. Toka que vous êtes. Bonjour, Tati. C'est pas toi que je salue là. Yeah, Papitou, tu viens de m'insulter tout à l'heure là. Si tu es tonton là, moi c'est pas tonton. Hein. Prends ton chemin et tu vas. Encore des petits bonjour là. Mon amour, je t'aime. Tu me plais, t'es dans mon cœur. Papitou, ta bise là, hein? Moi, à tout bambam. Je balaise ça de mes lèvres. Je dis ça. Je jette. Et je crains ça. Tu es malade. Viens prendre. Moi, je te donne bien. Tu ne dis pas Dieu merci. Attends, c'est à qui tu dis qui est malade là? À qui tu dis tu es malade là? C'est à moi, t'es juste là. Si moi, je ne te prends pas, il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre. Papitou, ça ne va pas chez toi? Attends, tu penses ici ta camarade? C'est pas toi. C'est pas toi. C'est basé.